Cette vidéo d'introduction va vous permettre de découvrir de nouvelles fonctionnalités du robot Timio grâce au logiciel Alphali. Ce dernier va vous permettre de découvrir les bases de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire l'apprentissage automatique ou encore machine learning en anglais. Le recours au logiciel Alphali va donc vous permettre de vous initier à une nouvelle façon de programmer. Au lieu d'écrire les instructions pour programmer le robot Timio, vous allez l'entraîner en ayant recours à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé ou encore en utilisant ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Mais pour vous expliquer comment cela fonctionne plus concrètement, je vous propose de découvrir une première activité dans laquelle nous utilisons l'apprentissage supervisé pour apprendre au robot Timio à se déplacer le long d'une rue. Pour cela, nous allons commencer par la phase d'apprentissage. Ici, vous voyez que le bouton apprentissage est bien activé. Nous allons donc pouvoir piloter le robot Timio en cliquant sur les flèches du clavier ou alors en utilisant les actions que vous voyez ici, à droite de l'interface. L'idée étant d'apprendre au robot Timio à aller tout droit lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, à tourner à droite si ses capteurs détectent un mur à gauche, ou au contraire, à tourner à gauche si ses capteurs détectent un mur à droite. Ce qui se passe ici, c'est que l'IA mémorise les actions que le robot doit faire en fonction de ce que perçoivent ses capteurs. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de chercher à aller vite, au contraire. Le but est surtout de bien apprendre au robot à se déplacer sans se cogner au mur. Si vous faites des erreurs durant la phase d'entraînement, le robot risque de les reproduire durant la phase d'utilisation. Nous allons maintenant observer ce que le robot Timio est capable de faire tout seul en activant le mode autonome. Normalement, si nous l'avons bien entraîné, il devrait être capable de se déplacer par lui-même comme nous le lui avons appris. Notez bien qu'ici, nous n'avons même pas eu à écrire de ligne de code. À la place, nous avons simplement entraîné l'algorithme d'apprentissage. Et si on peut imaginer réaliser la même chose en utilisant un langage de programmation classique, le recours à l'intelligence artificielle va permettre à Timio de réaliser des tâches bien plus complexes. Pour résumer, l'apprentissage supervisé, ce sont deux phases. Une première phase dite d'entraînement et qui consiste à donner au robot les bons exemples en le pilotant. Notez bien que la qualité de l'entraînement est essentielle ici dans cette première phase, puisque c'est ce qui va permettre ensuite au robot d'évoluer de manière tout à fait autonome lors de la seconde phase dite d'utilisation, en prenant les bonnes décisions sur la base des exemples donnés précédemment. Ici, avec les plus jeunes, on pourra parler d'apprentissage par imitation, puisque le robot reproduit tout simplement la manière dont nous l'avons piloté initialement. L'apprentissage par renforcement consiste quant à lui à laisser le robot apprendre de ses expériences, entre guillemets, tout seul, grâce à un système de récompense. C'est pourquoi avec les plus jeunes, on pourra parler d'apprentissage par essai et erreur. Dans cet exemple, nous voulons que le robot avance dans l'arène en évitant d'entrer en collision avec les murs. Nous avons donc choisi un mode de récompense qui lui fait gagner 100 points chaque fois qu'il va tout droit et 55 points lorsqu'il choisit de tourner. Par contre, il est pénalisé chaque fois qu'il percute un mur ou qu'il prend la décision de reculer. Il perd alors 50 points. Ce système de récompense est visible si on observe Timio, puisqu'il prend la couleur verte lorsqu'il est récompensé et il devient rouge lorsqu'il est pénalisé. Pour démarrer l'apprentissage, il suffit d'activer le mode autonome dès le début de l'activité. Au départ, le robot ne sait pas quelle décision prendre. Il teste donc des actions au hasard. On peut observer qu'il a pris rapidement la décision de tourner à droite, ce qui lui a permis de gagner une récompense de 55 points. Timio va alors développer une préférence pour tourner à droite. Au fur et à mesure de son apprentissage, en fonction des situations nouvelles qu'il va rencontrer ou du résultat de certaines explorations, le robot va réaliser des prédictions quant à la meilleure action à utiliser en fonction des situations rencontrées et des données renvoyées par ses capteurs infrarouges. Ainsi, progressivement, on peut voir que le robot apprend à évoluer dans l'arène. Après avoir appris à tourner, il a appris ici à se retourner lorsqu'il est coincé, ensuite à tourner pour éviter les murs et enfin à aller tout droit en l'absence d'obstacles. Lorsque l'apprentissage est parfait, Timio reste allumé en vert. Pour résumer, au début de l'activité, l'algorithme d'apprentissage par renforcement a procédé par tâtonnement. Et en fonction des actions choisies, il a reçu ou il a perdu un certain nombre de points. De cet apprentissage par essai-erreur, le robot a fini par apprendre les bons comportements à optimiser en fonction des données reçues de son environnement via ses capteurs et du système de réponse.
La vidéo suivante vous permettra de prendre en main le logiciel Alphai et son interface graphique avec le robot Tigno en reprenant plus en détail ce que nous venons de voir. Vous serez alors prêt à suivre les activités pédagogiques que nous vous proposons.